unboxing du LCD display 7 pouces et Tepon. C'est du 1024x600 dans 60 Hz. C'est parti pour l'unboxing. Carton classique. Donc, un DVD. Oui, display. Un câble HDMI. Un câble secteur. Un adaptateur HDMI, des vis et des écrous, écran, et ça, c'est pour pouvoir le fixer. Voilà, grossièrement, taille d'une main. Maintenant, on va le tester. Pour cette expérience, on va le tester avec une Recalbox. On a une entrée HDMI, une entrée secteur, alors le problème de cet écran c'est qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'audio, c'est juste un écran LCD. Il est tactile. Donc il va falloir configurer en fonction des appareils connectés. Pour la Recalbox, il faut rentrer dans les paramètres. Alors il est tactile, mais comme la Recalbox n'est pas paramétrée pour l'écran tactile, du coup ça ne fonctionne pas. LCD 7 pouces, il n'y a pas d'audio. Qui est fort dommage. Je trouve que c'est un point négatif par rapport à ce LCD. Autrement, il est très très bien. Il y a aussi la possibilité de connecter la Recalbox ici. Donc on enlève de son boîtier. Et la partie de la Recalbox, du Raspberry, le Raspberry peut venir directement ici. Donc du coup, on enlève le boîtier de la Raspberry, on le connecte directement ici. Donc concrètement, il vient jusque là. Les raccordements jusque là, ce qui est dommage, c'est que du coup ça fait sortir les câbles. Et encore une fois de plus, il n'y a pas de audio sur cet écran LCD, ce qui est fort dommage. Il y a un écran plastique qu'on enlève. Alors pour pouvoir l'enlever, il est préférable de démonter, il y a un tournevis qui est fourni avec. Il est préférable de démonter les quatre petites vis pour pouvoir enlever le film plastique. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce. Ciao !